Vous savez, rien n'est jamais acquis. Il ne faut jamais dire aux citoyens que ce ne sont que des formalités. Ce n'est pas une formalité, c'est un acte démocratique qui est important. C'est le troisième tour. Il était aussi essentiel que les deux autres. Et je pense que c'est indispensable d'avoir, comme je l'ai dit, ce front républicain permanent qui nous oblige, qui nous impose de revisiter nos politiques publiques, de les territorialiser, de remettre de la proximité et du sens dans l'action publique en général et naturellement départementale, puisqu'on est à l'orée de cette future grande région de l'ALCA où il faudra trouver la marque et le sens de la Moselle dans tous ces projets qui vont être développés à l'échelle lorrain, mais surtout à l'échelle de l'hyper-région. Et donc nous avons là un travail en profondeur à faire, un travail essentiel qui se fixe sur un certain nombre de grandes orientations, puisque le temps du citoyen a changé. Il faut que le temps de l'institution change aussi. C'est le message qu'on doit entendre. Le premier parti de France aujourd'hui, c'est celui de l'abstention. Il faut regagner de la confiance. L'arrivée des femmes dans nos institutions, à mon avis, va nous permettre de regagner de la confiance par la bienfaisance, par l'élégance des débats, par l'action au service du projet et non pas au service de l'institution ou des responsabilités. Je crois que c'est tout cela, tout ce sens-là qu'il faut absolument qu'on retrouve avec beaucoup d'humilité, parce que jamais n'est rien gagné, parce qu'il nous faut évaluer pour évoluer et dans toutes ces politiques publiques. Nous avons des particularités, nous avons des grands projets devant la porte. Et il faut nous rassembler maintenant devant ces projets. Celles et ceux qui ont décidé de les combattre ne sont pratiquement plus au sein de cette enceinte. Maintenant, il faut qu'on ait une démarche républicaine. Et pour être républicain, il faut être rassemblé, non pas dans une démarche politicienne, mais autour de projets. Et mettre l'institution au service du projet et donc au service du territoire, de la Moselle et des citoyens. Déjà, je suis ravi de présider une collectivité, une assemblée aujourd'hui qui est une assemblée républicaine. J'en suis ravi, j'ai été l'un des grands acteurs et animateurs du Front républicain, mais il a marché de façon éphémère. Dimanche, il ne faudrait pas qu'il s'éteigne. D'autre part, effectivement, la majorité s'est élargie, nous sommes à 20 cantons, 40 élus départementaux. Il n'a pas manqué une voix aujourd'hui dans l'élection du président, ce qui me confère des responsabilités importantes. Et cela, je dois les assumer avec conviction, avec acharnement, avec passion, au service de chacun des territoires très divers, très variés. Et je l'ai dit, je vais refaire mon tour de canton, hein, parce que c'est comme ça qu'on arrive à engager des démarches pour adapter, non pas dans une démarche égalitaire, mais dans une démarche équitable, les politiques en direction des territoires ruraux, des territoires urbains, des territoires qui souffrent, des territoires qui sont enrichis par des projets qui doivent profiter à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je réinstallerai le conseil départemental junior, que je mettrai en place un conseil départemental des remplaçants. Il ne faut pas uniquement les avoir pendant 15 jours, 3 semaines à nos côtés, puis ensuite leur dire merci, vous revenez dans 6 ans. Ils ont quelque chose à apporter. Il y a de la jeunesse. Chaque candidat a fait le pari de la jeunesse en désignant et en recrutant son remplaçant. Je crois qu'ils ont leur place aujourd'hui dans le travail de l'Assemblée départementale. Nous sommes aujourd'hui à l'orée, je veux dire même aujourd'hui, en situation très particulière d'inquiétude, de méconnaissance. Nous ne savons pas quelles seront nos compétences. Nous savons que nous avons des grands cantons à gérer, ce qui va changer la vie. C'est pour ça que j'ai décidé de constituer 5 territoires en Moselle, avec 5 vice-présidents qui vont animer ensuite avec les conseillers départementaux compétents sur leur territoire des politiques publiques adapté, ce qui ne rend pas l'exercice facile puisque les cantons ont tout de même été découpés en dehors du bon sens de l'habitude de vie. Nous ne connaissons pas nos compétences. Nous allons souffrir de diminution des dotations de l'État. Donc il faudra qu'on soit très précis dans l'utilisation et la consommation des deniers publics. Et puis enfin, et je pense que c'est important, nous avons dit non à l'augmentation de la fiscalité sur 2015. Ce sera le cas. Je présente le budget la semaine du 20 avril ici. Ce sera une des premières décisions que nous allons prendre. Et puis enfin, il faut l'évoquer aussi, c'est la question de l'hyper-région. On en connaît le contour. On sait où le préfet sera installé, il sera à Strasbourg. Maintenant, il y a tout à faire. Et il faut qu'on ait une démarche, je l'ai dit, politique. Il faut que les représentants du centre de la droite et des indépendants s'expriment autour d'un et se rassemblent autour d'un grand projet pour chacun des territoires, des 10 départements, des 3 anciennes régions et puis naturellement de l'ALCA, parce qu'il ne faut pas que ce soit un projet qui soit imposé par Paris. Paris ne connaît pas nos territoires. Paris ne connaît pas notre particularité, nos spécificités, nos difficultés, notre histoire.
Il faut qu'on les préserve et qu'on démontre que nos départements ont un avenir dans cette hyper-région. C'est ce à quoi je vais m'atteler dès demain, après que nous ayons assumé la responsabilité de l'installation de cette nouvelle assemblée départementale. Laissez-moi au moins 10 minutes de plus pour savourer cette élection. Nous verrons après. Nous avons suffisamment de grandes questions à se poser avant d'arriver à une question qui fait partie du futur. Alors qu'il y ait un jour une présidente du conseil départemental de la Moselle, je crois que tout le monde ne peut que l'appeler de ses voeux. Je crois que c'est important. Là, nous avons une large majorité de femmes qui entrent. Il faut qu'elles découvrent, il faut qu'elles apprennent l'Assemblée départementale, nos compétences, nos territoires. Il viendra le moment d'une nouvelle élection et peut-être d'une présidence féminine. Je crois qu'il n'y a rien qui doit être exclu. On ne doit pas uniquement dire « vous venez là et vous siégez au sein de l'Assemblée ». Ils auront des responsabilités. Sept femmes assumeront des vice-présidences de territoire, des vice-présidences thématiques. Pour moi, c'est indispensable, c'est essentiel. Donc la question, nous apporterons la réponse quand la question se posera. Aujourd'hui, elle n'est pas posée.